Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn, votre chaîne préférée. Parfois, quand nous écoutons les témoins puissants que nous recevons sur les sirènes et toutes ces choses, on a du mal à croire que les sirènes soient des démons. Vu ce que nous avons même appris à la télévision, même à l'école, on se dit « Ah, mais qui nous a blagué ?» Depuis que les sirènes sont des démons, parce que le monde des eaux ressemble à ça. Waouh! Un monde magnifique. Un monde joli qu'on présente même à nos enfants. Et pour nos enfants, c'est un lieu extraordinaire. Et les sirènes sont de belles créatures qui peuvent même causer avec les poissons, s'entendre avec eux et faire tant de choses que nous aimons encore découvrir. Et ça a l'air présentable, vraiment joli. Ici on voit des sirènes qui sont en train de collaborer avec un poisson dangereux. C'est même un requin. Et les dauphins. On nous dit qu'il y a un monde sous l'eau. Et dans ce monde-là, on voit toutes ces créatures. Et elles sont jolies, hein? Ce sont des filles. Les filles sirènes. Waouh! Et les dauphins sont là. Et on nous présente cela comme ça. Comme si les gens venaient nous dire que le monde, il y a un autre monde. Il y a un monde sous l'eau. Un monde sous l'eau. C'est comme si les gens voulaient nous mettre une puce à l'oreille. Juste pour nous dire qu'il y a un monde sous l'eau. Et les gens qui sont là-bas sont vivants. Et ils peuvent même avoir des plans. Et ils complotent. Ils causent. Ils échangent. Même avec les requins. Et ça a l'air comme de notre, ça a l'air d'être comme dans notre monde. Et on nous présente cela comme quelque chose d'inoffensif. Regardez-moi le visage de ces filles qui sont là, de ces sirènes. Parce qu'elles sont inoffensives et que c'est la chose qu'elle a qui est mauvaise, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont inoffensives et que c'est la chose même qui est juste là qui est mauvaise. C'est mauvais, cette chose est mauvaise. Voici comment on nous présente les sirènes. Comme des gens qui sont attaqués. Les dessins animés, c'est comme ça. Hein? On présente les sirènes aux enfants comme des gens qui sont attaqués. Oh non, on sait que ce sont des démons. Depuis que Dieu a été créé une femme pour la mettre dans l'eau. Et là, on ne se pose pas de vraies questions souvent. Mais regardez ça. Et même la sirène. Elle continue ses aventures et elle rencontre des créatures comme ça. Et elles ont l'air inoffensives. Mes frères et sœurs, une femme qui vit dans l'eau, qui a même des rouges à lèvres, qui a même des produits de beauté, qui a même des soutiens-gorge. Les gens sont devenus insensibles à l'écoute de la vérité. Hein? Mais regardez même ici. Elles vont même entrer dans l'eau
et vous voyez une queue de poisson. Si vous ne savez pas, les sirènes existent. Et tout ce que sont de nous montrer ici, effectivement, cela te ressemble. Les sirènes ressemblent à ça. Mais le problème, c'est que normalement, les sirènes, elles ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, leur manière d'être, vu les informations que nous ont données, tous ceux qui ont témoigné, qui ont pu la voir, ils nous ont tous dit que c'est un démon. Et ce démon-là a animé par un puissant esprit de destruction du monde, c'est-à-dire des humains. Et cette sirène-là, elle fabrique des choses qu'elle décide de proposer aux humains, même aux femmes en particulier. Et elles peuvent même se marier à un humain. Elles peuvent se marier à un humain. Et c'est un sataniste qui est entré là-bas dans le monde des sirènes. Effectivement, il a vu une queue de poisson. Mais une sirène peut avoir des jambes. Parce que lors des invocations, c'est possible. Et c'était sataniste, quand il est entré dans le monde des sirènes, il a découvert que là-bas, elle avait un monde. Elle avait une maison gigantesque qui a plus de 200 chambres. Et il y a d'autres sirènes comme elle. Elle pourrait même marcher comme une vraie femme. On dit que c'est quand elle veut, elle est prête à nager, qu'elle fait des invocations. Et même les poissons peuvent s'éloigner d'elle. Elle a le pouvoir sur les poissons. Et c'est un sataniste nous a dit que quand il est arrivé dans le monde des sirènes, il a vu dans sa chambre des gens qui ont eu des accidents, qui sont des accidents routiers, et puis ou bien des accidents sur le pont, et puis le véhicule est tombé dans l'eau. Toutes les personnes qui sont décédées de cette façon, toutes ces personnes-là, la plupart du temps, le bon nombre d'entre eux sont retrouvés parmi dans la maison des sirènes. Bon nombre d'entre eux, les esprits, les âmes, se sont retrouvés dans la maison de cette sirène. Et ils étaient stockés dans les chambres de la sirène. Quand vous arrivez sur la sirène et que vous ouvrez une chambre, vous vous direz que vous verrez peut-être quelqu'un qui est en train de dormir tranquillement. Ou une chambre libre où vous pouvez vous reposer. Au lieu de voir un endroit, un espace libre, quand vous ouvrez ça, vous voyez les gens qui sont décédés là-bas. Ou bien vous voyez des bébés avortés dans la maison de la sirène. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il nous a raconté. Ou bien vous voyez encore d'autres choses, des petites sirènes comme ça. Elles sont là-bas. Et la femme lui a demandé si c'était Anita même de la marier, de pousser une parmi elles afin que lui il puisse avoir beaucoup d'argent et que cette sirène puisse l'embellir. Mais lui il l'a refusé. Elle lui a donné un collier pour que il vienne donner ce collier à une femme ici sur la terre. Et c'est là les femmes de ce monde, elles cherchent à avoir des choses des sirènes. Même regardez ce gars. Lui, il savait que les sirènes vont collaborer. Mais cet homme, il a dit qu'avant d'arriver dans le monde avec le collier, il s'est reposé dans l'une des chambres des sirènes. Et imaginez-vous, où est-ce que vous savez où il s'est réveillé? Est-ce que vous savez où il s'est réveillé? Il s'est même réveillé au cimetière. Il s'est réveillé au cimetière avec la chaîne. C'est-à-dire que quand il est entré dans le monde des sirènes, il est passé par l'eau, comme ici, il y avait même des pêcheurs qui étaient là. Et quand il est arrivé dans le monde des sirènes, il a dormi dans une chambre chez elle. Et quand il s'est réveillé au cimetière. Ça veut dire que tu passes par l'eau,
tu revenais au cimetière. C'est comme deux portes. C'est comme deux portes. Il faut vraiment faire très attention. Ces choses sont réelles. C'est pourquoi nous la présente au grand jour. Et les humains, beaucoup sont, ne savent pas que les sirènes sont des démons. Ils ont été endoctrinés. Et ils veulent tous ressembler aux sirènes. Ainsi, ils seront en train de tout mettre en œuvre pour ressembler aux démons. Et toutes ces personnes qui ont toutes ces choses des sirènes sont en train de recevoir ce qu'on appelle l'esprit des sirènes. Et ces personnes sont en train d'être possédées sans le savoir. Parce que les sirènes aiment posséder les champs. Et regardez ce que ça donne. Vous voyez que ça devient visible. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour sauver les âmes. Nous espérons que vous allez nous croire. Venez bien sur bon, tapez sirène seulement. Vous allez voir les témoignages qui vont venir. Vous me fuirez même toutes ces choses que nous sommes en train de vous montrer. Le diable est là. Ah! Et c'est même pour. Et la fille a même choulé. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe plus. Les sirènes, c'est pas du jeu, mes frères et sœurs. Ce sont en réalité des mauvais esprits. Il faut vous mettre ça de la tête et informer les enfants du danger de la chose. Même si les gens vous présentent cela à la télévision comme ça, comme si les gens étaient. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous allez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquer sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via WSLM. Waouh! Bonsoir.